Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du jeudi 24 octobre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête, bien sûr. Un petit mot aussi sur le The 5 Lord pour vous dire que tous les jours, avant midi, vous retrouvez mon choix en 6 pour le The 5 Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. Donc n'oubliez pas mon choix en 6 tous les jours pour le The 5 Lord. Allez, on démarre pour ce jeudi pour Dans mes jumelles et on va démarrer à 11h51, réunion 3, course 1 à Deauville avec le numéro 6, Siam Paragon, qui apprécie particulièrement la PSF. 10 courses courues sur cette surface, 9 fois dans les 3 premiers, 9 fois sur le podium, c'est vraiment une super statistique. Il a couru dernièrement 3e à Saint-Cloud le 9 septembre sur les 1500 mètres. Auparavant, il avait terminé 2e à Deauville sur 1400 mètres sur la PSF, justement, le 18 août. Là, il retrouve donc cette PSF Deauville-Est sur 1300 mètres. Je pense qu'il est apte à renouer avec la victoire. Je vous invite à le suivre de très très près, le numéro 6, Siam Paragon, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera toujours à Deauville à 12h55, réunion 3, course 3, avec dans la troisième course le numéro 7, Simer. Alors Simer reste sur une deuxième place à Saint-Cloud le 20 septembre, une deuxième place correcte sur 1600 mètres. Auparavant, on l'avait vu très bien courir dans le groupe 3, le prix Chloé sur 1800 mètres au mois de juillet, belle performance. Là, elle va évoluer sur 1500 mètres et dans cette course, elle me semble tout à fait en mesure de renouer avec la victoire. Je trouve que c'est un bon engagement pour elle, elle est à suivre de près. Donc le numéro 7, Simer dans la troisième à Deauville. Mon troisième choix, on change d'hippodrome. Réunion 1, course 4 à 15h40. On va à Auteuil avec le numéro 6, Electrix dans la quatrième course. C'est une fille de Gemix entraînée par Michael Serraor, dont les pensionnaires sont en forme actuellement. Elle vient gagner à Auteuil le 28 septembre sur le parcours des 3005. Là, elle va courir sur 3006, ça ne posera pas de problème. Elle a été montée de 3 kg sur l'échelle des poids, mais je pense qu'elle est apte à confirmer et elle devrait pouvoir... on va dire contrer cette surcharge de 3 kg pour encore jouer un tout premier rôle dans cette course. Je vous invite à la suivre de près, le numéro 6, Electrix dans la quatrième à Auteuil, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, eh bien on retourne à Deauville, réunion 3, course 8 à 16h. Et là, dans cette course, en cette huitième course, je vous invite à suivre le numéro 11, Chirico, qui vient de finir deuxième à Cran sur 1300 mètres le 22 septembre. La performance était correcte, on l'a vu courir 11 fois, 4 fois deuxième depuis le début de sa carrière. Il cherche un premier succès, il peut peut-être le trouver pour cette 12e tentative. Ça sera peut-être la bonne, il est en valeur 30 et il me semble compétitif dans ce handicap. Mais comme je dis souvent dans les handicaps, hein, il n'y a pas toujours beaucoup de marge. Mais bon, c'est un concurrent à suivre de près qui devrait être autour des 8 euros. Chirico dans la 8e, le numéro 11, c'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pour ce jeudi 24 octobre. Tout d'abord dans la première à Deauville, le numéro 6, Siam Paragon. Ensuite dans la 3e à Deauville, le numéro 7, Simer. Ensuite dans la 6e à Auteuil, le numéro... dans la 4e à Auteuil, le numéro 6, Electrix. Et enfin ma petite folie dans la 8e à Deauville, le numéro 11, Chirico. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.